continue. Le président Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition politique du Togo, toujours à la rencontre des Togolais et Togolaises partout où il se trouve, vous convie toutes et tous à un débat citoyen. Dimanche 26 mars 2017 à Paris, au siège de la Fédération Française pour l'UNESCO, 173 rue de Charenton, 75 012, métro Montgalais, ligne 8 ou du Gommier, ligne 6, de 14h à 18h. Oh, le combat continue. Compte tenu du refus obstiné du pouvoir RPT Unir d'honorer sa signature et de mettre en œuvre l'accord politique global APG en s'adonnant à des manœuvres dilatoires, tout en multipliant les commissions de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, une façon assurément de vouloir enterrer l'APG pour chercher d'autres moyens de s'éterniser au pouvoir, M. Jean-Pierre Fabre souhaite s'entretenir avec les concitoyens et concitoyennes de la diaspora en Europe sur l'actualité des politiques togolaises notamment. L'organisation de la mobilisation populaire pour empêcher définitivement les velléités dictatoriales de la dynastie des Natsingbé. La décentralisation en vue du développement social, économique et de l'amélioration du quotidien des populations togolaises. La situation sociale, économique et politique en général de notre patrie, le Togo. La Fédération Internationale Europe-Asie de l'ANC vous exhorte tous, Togolaises et Togolais de la diaspora en Europe, à être présents et à vous saisir de l'occasion pour réaffirmer votre désir de changement et d'alternance sur la terre de nos aïeux. Infoline en France, Augustin Mentzan, 0033 699 48 50 14 et Augustin Glopon, +33 662 14 47 83. Au Royaume-Uni, Lucien Oncali, 0044 79 86 26 26 87. 50 ans de criminalité, je dis ça suffit comme ça. Non à l'immobilisme, non à la résignation. Togolais, viens, bâtissons la cité. Bon, le combat continue.